À peine la journée commencée et il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. Et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu'il nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans notre grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les après. Je le ferai après. Je dirai après. J'y penserai après. On laisse tout pour plus tard comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que, après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant.